Nous sommes ici sur la passerelle qui relie le Fort Saint-Jean au bâtiment du J4. Une passerelle, c'est un endroit où l'on se croise. Eh bien, le MUCEM va croiser les regards, les points de vue, le nôtre, celui de l'Europe, et celui des autres pays de la Méditerranée. Il va croiser les disciplines, anthropologie, histoire, histoire de l'art. Il va croiser les cultures, culture populaire et culture dite savante. C'est donc une démarche originale et novatrice. Le MUCEM ne sera pas une citadelle, mais une cité culturelle, ouverte aux débats, aux expositions, au cinéma. Ce sera un lieu de vie où tous les publics pourront se promener dans un jardin méditerranéen, venir boire un verre ou dîner avec des amis. Ce sera un acte majeur de la politique de décentralisation culturelle. Un grand musée national qui rayonne depuis Marseille, c'est un véritable atout pour le développement de cette métropole. La Méditerranée, maintenant, a une adresse. C'est le MUCEM à Marseille. Pas la Méditerranée de papa, la Méditerranée passéiste et nostalgique, la Méditerranée des décombres et des ruines, non. Une Méditerranée en prise avec le temps du monde. Une Méditerranée pour un musée des civilisations du 21e siècle. Des civilisations, et non pas la supposée supériorité d'une civilisation sur une autre. Ce qui suppose de décentrer notre regard. C'est tout le principe de l'exposition que je prépare, Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, qui traverse les imaginaires et les représentations de la Méditerranée du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est tout le sens aussi de la programmation hors exposition, à travers le temps de la parole, le temps des images, le temps des spectacles, car il se passera chaque jour quelque chose au MUCEM. L'objectif, c'est de bâtir un phare de la culture. Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un moment charnière dans les relations entre l'Europe et la Méditerranée, car tout peut basculer dans la crise. À un moment où nous pouvons être enfermés dans de véritables murs de la peur. Bâtir un grand musée de culture et de civilisation du 21e siècle, c'est envoyer, comme le disait René Char, une belle salve d'avenir. Ici, dans la galerie de la Méditerranée, pas de plage, pas de galets, pas de palmiers. On commence avec un pingouin, celui de la Grotte Cosquer. Et on termine la première singularité avec un dolium, une citerne de porte-conteneur de l'Empire romain. La Méditerranée, c'est un bassin de civilisation comme les autres, et pas comme les autres. On fonde cette galerie sur quatre singularités de la Méditerranée. Les agricultures, les monothéismes, la citoyenneté, et au-delà du monde connu. Au-delà du monde connu, c'est bien une singularité. Les hommes de la Méditerranée ont rêvé au voyage, aux sept merveilles du monde, à l'or de l'Afrique, aux pierres précieuses des Indes, aux épices venant des îles lointaines. Et ces hommes, ils seront tous là. La cuisine fait partie intégrante de la culture. Et j'ai voulu m'associer au MUCEM pour proposer un voyage culinaire autour de la Méditerranée. Dans cette nouvelle aventure, l'idée n'est pas seulement de cuisiner, mais aussi d'éveiller la curiosité, de susciter l'engouement, de favoriser des échanges, de converser autour d'un thème populaire, la cuisine. Je souhaite aller à la rencontre des chefs, des producteurs, d'amateurs passionnés de beaux produits, en Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Crète, Maroc, Liban, et j'en passe, pour vous faire découvrir toute la richesse, la subtilité d'une cuisine inventive et généreuse. Partager la Méditerranée, partager la cuisine méditerranéenne, c'est un geste simple, un moment convivial autour d'une grande table. C'est pour cela que je proposerai une cuisine accessible, à votre rythme, au gré de vos envies, une cuisine où le premier plaisir est d'être ensemble.
Aujourd'hui, l'ordre des sexes, les hiérarchies entre les hommes et les femmes sont profondément bouleversées. L'exposition Bazar du genre questionne ces changements. On y parlera des femmes qui réclament toute leur place dans la vie publique. On y parlera des différentes manières dont les individus revendiquent leurs droits à des choix de sexualité différents. On y questionnera des faits de société, comme le fantasme de l'homme enceint, le culte voué à la virginité ou à l'honneur viril. Vous découvrirez de nombreux extraits de films, des œuvres d'artistes contemporains de toute la Méditerranée, des objets quotidiens ou insolites issus des collections du MUCEM. Un bazar bien achalandé où vous aurez sûrement plaisir à vous perdre et j'espère à vous retrouver. Au dehors, le Fort Saint-Jean, c'est la pierre, les rochers et le vent. Au dedans, le MUCEM y a déposé des trésors, ceux des jours de fête. On y verra les jeux du cirque, les amusements de la noce et la cavalerie des carousels. On y découvrira aussi une vitrine de 11 mètres de haut, racontant les souvenirs des jours de fête de la vie. Tout autour, c'est la promenade dans les jardins et un panorama sur Marseille à 360 degrés. Conservation du MUCEM a pour vocation première d'accueillir les collections du musée, de les conserver, mais aussi d'accueillir un public de chercheurs et, chose innovante, vous pourrez les visiter. Le centre de conservation raconte l'histoire de l'épaisseur, l'histoire des hommes, l'épaisseur du temps. Il raconte le secret conservé, les œuvres à l'abri des regards, du vent, du froid, de la lumière. C'est un grand monolithe taillé dans la masse. Sa peau extérieure est texturée, rugueuse, colorée. Sa peau intérieure est blanche, lumineuse et brillante.